C'est tout ce que t'as? Bonne idée! Dégage d'ici avant que je te démontre le dragon!
Yeah.
Je viens de la part de Rice. Hein, encore? Mais on vient de vous donner de l'argent. J'y suis pour rien. J'essaie juste de survivre, comme tout le monde. Et nous aussi. Rice nous a dit qu'il nous protégerait si on le payait. Mais jusqu'à présent, il nous a pris notre argent et c'est tout. Il n'y a pas de protection, juste des menaces. T'es pareil, je suppose. J'ai une mission à terminer, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je menace de tout brûler ici? C'est dingue, vous êtes tous pareils. Des putains de monstres. Toutes mes économies sont là. Prends-les et dégage. Si ça peut te consoler, je suis là contre mon gré. Si je pouvais, je vous aiderais. Ouais? Mais tu le fais pas. Pas vrai? Karim, j'ai récupéré l'argent au débarcadère. Et je suis quasiment sûr que je vais aller en enfer. Tu seras pas tout seul. Allez, viens chercher ta récompense à présent. Bon travail.
Je m'appelle Neil Fallon. Je suis journaliste pour le magazine Affaires Internationales. J'ai entendu parler de toi. Ah bon? Comment t'as fait pour venir jusqu'ici? Au début de la quarantaine, c'était pas trop dur. Et puis, quand Suleiman a pris les commandes, on a tous compris comment les choses allaient tourner. Et tu as décidé de rester? Non, j'ai décidé de partir. Mais je sais pas si je vais y arriver. J'ai déjà connu des villes fermées, en général, il y a toujours quelqu'un qu'on peut soudoyer. Mais pas ici. Je peux pas te faire sortir de Harran. Personne pourra le faire. Je sais bien. Mais je suis ce qui se passe ici depuis le début. J'ai interviewé des centaines de personnes qui ne sont plus des personnes. Suleiman est un monstre. Il faut que le monde entier sache ce qui se passe ici. Et en fait, j'ai perdu mon travail. Mes notes, mes photos, tout. J'ai été attaqué par des infectés dans un cybercafé. Je m'en suis sorti, mais j'ai laissé ma sacoche sur place. Et tout est dans la sacoche? Pratiquement. Ils m'ont poursuivi un certain temps et j'ai fini par jeter mon appareil photo dans une voiture. Écoute, je sais que je t'en demande beaucoup, mais... Tu sais, même si je récupère tes affaires, c'est pas pour ça que tu réussiras à quitter la ville. De toute façon, si je ne récupère pas mes affaires, je n'ai aucune raison de sortir. Le café se trouve dans une zone dangereuse. Je vais y réfléchir, mais je te promets rien.